te préviens, si tu fais ton intéressante, tu prends tes clics et tes claques et tu pars. Je te préviens déjà. C'est l'année de la page Pokémon. Il y a un truc noir. Après on va faire. Attends, mais si je suis là, moi je vais. Andrea, viens, viens reculer, s'il te plaît. Salut les filles, salut les garçons. Non. T'as tout là, c'est bon. Salut les filles, salut les garçons, salut les autres deux. Vous m'avez tellement demandé mes soeurs, je crois que c'est l'une des vidéos que vous m'avez le plus demandé. Je sais également qu'il y a des nouveaux entre temps qui sont apparus sur ma chaîne, donc du coup je me dis bon. On va faire un petit récap, ok. Vous allez vous présenter. Oh ouais, à chaque vidéo on doit se présenter. Mais Rika, en fait tu dois. Il s'agit d'aller dans les anciennes vidéos. C'est bien. Pour être à l'actualité. Bah oui. Ben non, comment dire vos prénoms? C'est pas grave. Alors moi je m'appelle Taïra, je suis née le 5 avril 2013 et j'ai mis. T'as pas de à la sortie, ça quand j'ai d'autres. Je m'appelle Unissa et j'ai 40 ans. Je m'appelle Ketia. T'as quel âge? 20 ans. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser quelques questions update life, on va dire, sur notre vie, etc. Mon métier de rêve. Psychologue. Non, demande pas le métier que tu veux faire, ou j'ai des métiers. Non, mais mérite. Bah, ton métier de rêve, c'est ce que tu veux faire. Ben non, peut-être qu'il y a un métier. Enfin, un métier dont tu rêves, mais que tu ne vas pas forcément faire. Bah, médecine, je veux dire. Mais pour moi, ce métier de rêve, médecine, c'est capable. Elle en est capable, c'est travail. Oh non, je peux pas. Vraiment. Elle a dit son métier de rêve, c'est médecine. Ouais. C'est le travail, il y a des médecins qui sont là et qui sont au travail de proche. Spécialité physique, chimie, SVT et maths, c'est pas possible. Mais tu te sous-estimes, je trouve. Ton métier de rêve? Alors, moi je vais être soit avocate ou soit vétérinaire. Ah oui, et t'as peur des chiens en plus? Bah, je peux faire une spécialité. Mais quand t'es vétérinaire, tu soignes tous les animaux? Bah, il y a des vétérinaires spéciales pour animaux. J'ai pas peur des chiens. T'as peur des chiens? Ils seront. Ils seront anesthésiés. De toute façon, tous les enfants ils veulent faire vétérinaire. J'en ai pas. T'en as pas? Y'a pas un métier qui dit waouh, j'aurais très aimé les faire? Ouais, franchement. Moi, mon métier de rêve. Vraiment, le métier, je me dis waouh. Non, j'ai essayé de prendre. Alors. En mode agent immobilier, mais du luxe. Ouais. Comme dans l'émission là. Ouais, ok, ça je te montre là. Bien. Ouais. Moi, mais ça aussi c'est possible. En fait, vos métiers de rêve, c'est pas mon métier. Non, bah ça, moi, c'est mon but. Hein. Bah voilà, donc c'est un métier de rêve que tu peux le faire. Ouais. Il y a des métiers de rêve que tu ne veux pas forcément faire. Comme. Pour moi, tant que le métier existe, tu peux le faire. Comme ça s'appelle là, hôtesse de l'air, en mode tu vois, je te prends et tout, ça a l'air bien, mais je vois pas faire ça. Mais c'est pas ton métier de rêve alors? Non, mais en mode bon, bref, le fait de voyager tout le temps, oui. De pas tout le temps à la maison. Ça a l'air trop bien. En gros, mais je vais pas le faire, mais ça pourrait être un métier de rêve. Mais c'est pas ton métier de rêve parce que tu ne veux pas le faire au final. C'est mon métier de rêve, moi, que je sais que je vais atteindre, ce serait d'être une businesswoman, d'entreprendre dans tout ce que je pourrais entreprendre. Et à la fin, mon métier de rêve vraiment, c'est de rester chez moi et que l'argent ça vienne. Ma bonne chance. Tu as déjà été en couple. Moi, non, Kika, en fait, elle aime ça. En fait, non. T'aimes trop. Non, il faut que t'arrêtes avec ça parce que je niche. On s'en fout. Mais... Je n'ai jamais. Non, on n'a jamais été en couple. Personnellement. C'est sûr, à partir du moment où tu fais ce que t'as fait, t'as été en couple. J'ai fait quoi? T'es bizarre, toi. Deux soirs, t'es pour quoi? En fait, je vous avoue un truc, moi aussi j'ai longtemps. C'est bien. De toute façon, ça me choquerait même pas. Ah, aussi. Non, ça me choquerait pas depuis que j'ai vu certaines choses. Ouais. T'as vu quoi? T'as pas vu, toi? Les trucs d'ailleurs. Ah, les trucs d'ailleurs. Non. Hein? Je vais essayer là, t'avais bombé. Bah, jeu de corps. Ah! Bref. Qu'est-ce que vous appréciez l'une chez l'autre? Non, arrêtez, vous êtes vraiment trop méchante. Méridite, j'aime bien la générosité. Pourquoi c'est pour moi, j'ai mon argent? Pas trop. Ah, arrête, après on va finir par pleurer. Non. Tu pleures pas? J'ai changé, Méridite. Ah, t'as changé? Depuis que mes potes ils regardent les vidéos, je peux pas pleurer. Ah, ok. Non, t'es trop méchante. Tu verras la bonne qualité. Si, mais attends. T'es
Elle est sociable. Waouh, quelle qualité. Et Ketia, c'est garder son calme. Genre, pas du tout. Bon, des fois elle dénonce avec Bibiche, mais elle sait se contenir un peu. Genre. Ah ouais, tu trouves? Ouais, par exemple, toi, je sais dans des situations, tu vas pas te gêner de parler, de dire les vérités. Alors qu'elle sait. C'est dur, toi, qu'elle est hypocrite? Non, par contre, non. J'évite les ombres. Bon, Enicia, serviable, serviable, généreuse. Taïra, Taïra, sa qualité, elle aussi serviable, hein. Très serviable, Taïra, même si elle est impolie, c'est vrai, mais elle est très serviable et ouais. Ketia, sa qualité, Ketia, sa qualité. Attends, non, Ketia, elle a des qualités. Ketia, elle est généreuse. Non. Non. Si. Pas de fou, genre. Ah, je ne vois pas dans les tranches. Ah ouais? Bah du coup alors, Lucas, je te vois pas là. T'es gentille. Mais c'est vrai, hein. Ouais, elle est gentille, quoi. Elle a bon cœur, elle est gentille, elle a le cœur sur la main. Ouais, vas-y, t'es gentille. C'est bien ça. Alors, Alicia est très drôle. Meredith, elle est généreuse. Et Katia. C'est ta sœur préférée en plus. Donc tu trouves. Elle est très drôle aussi. Ah oui, c'est vrai que tu aussi t'es drôle ces derniers temps. Je sais pas, t'es drôle. Non. Ta mère aussi, des fois, tu me fais marrer. Alors, Elissa, bah, comme t'as rien à dire, elle est hyper drôle. Elle est trop drôle. Reddit, bah, ça se répète, ça est généreuse. Faut trouver une autre qualité. Hein. Bah, c'est vraiment ta qualité, quoi. T'es généreuse. Taïra, très, très serviable, genre. C'est vraiment. Enfin, genre, on va vraiment tout faire. Elle va pas ronchonner. Genre, elle va faire, même si elle, ouais. Non, Taïra, vraiment très, très serviable. Et mais Reddit, bah, vu que tu cherches une autre qualité. Je trouve que t'es aussi une personne, genre t'es femme. Tu es femme? Non, pas du tout. Si. Elle est femme. C'est bah, elle est pas les câlins. Non, mais le rapport. C'est d'affection, quoi. C'est sûr, mais je sais pas. Je trouve que si genre j'ai un problème, faut aller chez Mary, tu vois. Ouais. Non, moi je suis ta sœur. Mais non. Moi j'irais pas voir quelqu'un ni Alicia. Ah non, moi j'irais jamais voir que Alicia et Mary. Mais moi je crois pas pour moi. C'est quoi? Grosse mytho. Quand il y a des problèmes, si tu écris pas mon prénom, Ketia, Ketia, Ketia. Bah t'es malgré avec elle est chez toi. Moi en premier. Elle a discuté avec toi. Vous préférez qui chacune? Une. Une. Ok. Franchement quand elle a dit j'aurais dit Taïra mais là. Là franchement. En fait Taïra elle a tellement changé. Oh, ouais trop. Elle est. Elle est spéciale. Et que c'est grave. Genre pas marquant. La Taïra elle a vraiment énormément changé. Ouais. Ouais, vous aimez de ouf hein. Trop. Non mais c'est là. Non, elles sont vraiment de ouf parce que par exemple hier ils sont grave disputés. Mmh. Après tu vois quand ils jetaient de l'été, ils se faisaient des tournois et tout, ils tournent ensemble, ils dansent ensemble. J'ai regardé comme ça. Mais... voilà. Tu regardes ça, mais en fait j'ai dit mais ils étaient désespérés. Non, Taïra elle aime énormément Inicia, mais elle sait pas lui montrer en bien. Tu vois, bah, que la titiller, Ouais. Et Taïra elle aime trop. Taïra, ça s'en préférait. Elle fait genre c'est moi, mais je te jure que c'est vraiment Inicia. Oui, mais c'est pour ça que tu vois, tellement elle aime trop, elle apprend un peu comme son égal. Je sais pas comment t'expliquer. Elle apprend vraiment comme son égal. Ouais. Genre, ça, c'est un truc vraiment, j'ai jamais vu ça. Pourtant, moi et Inicia, on a le même écart d'âge que eux deux. Mais ce que Taïra fait à Inicia, Inicia ne pourrait jamais le faire parce qu'elle sait que c'est la mort qui l'attend en fait. On demande comment avez-vous vécu le déménagement d'Aurien? Ah, ouais. Pour ça, les ceux qui connaissent pas, Aurien, c'est notre grande soeur. C'est en réalité la petite soeur de notre mère, mais comme on a grandi ensemble. C'est comme notre grande soeur et bah comme vous pouvez voir elle n'est pas ici puisqu'elle a déménagé mais elle est juste à côté genre ça, en vrai. Elle en a 5 minutes à pied et tout. Après moi j'étais pas là quand elle est partie hein. Ouais. J'étais à Dubaï. Quoi depuis Dubaï? Ah ouais, ouais ça fait un an. C'est pas si. Elle est partie ici depuis début, fin mars, début avril, elle est partie. Ah oui je me rappelle j'allais passer mon brevet blanc. C'est surtout moi qui dormais avec elle. Maintenant je suis avec moi. Trop ma phobie. Enfin, surtout au début c'était un peu éloigné hein. Ouais. Ouais au tout début on s'était un peu éloigné parce que bah on s'appelait plus comme avant. Enfin. Le fait qu'on était H24 ensemble, on n'avait pas besoin de s'appeler. Là, pour prendre contact à la personne, il faut s'appeler, etc. Et on s'était grave éloigné pendant un certain moment. On a commencé vraiment à voir Divine quand elle a eu vraiment son appart. Parce qu'au début, en fait, elle était partie en colocation chez la grande sœur de Plein Midi, que vous avez vu dans le blog. Et bah, là, depuis qu'elle a son appart, c'est là on va plus chez elle, etc. etc. Mais c'est vrai que. Au tout début, ça a cassé un truc. Ouais. Tant, on est tout en chez elle. J'ai passé mon week-end là-bas. Voilà, vraiment, elle est juste à côté et tout. Mais c'est vrai qu'au tout début, ça fait un. Ça, ça t'a fait quoi une petite terrain? Allez, c'est vraiment. Elle ment. Elle a lâché un bif. Il y attendait même pas. En fait, tu vois, parce que Divine, quand même, c'était vraiment.
elle était derrière le dos de ouais, Léa. Ouais. Donc je pense que ok, d'un côté ça peut créer un vide. Mais là, laquelle de vous a brisé le plus de cœur? Quoi? Fin du débat. Sujet suivant. Qui? Moi? J'ai une question. Mais comment je peux faire des trucs comme ça? Voudrais-tu qu'une de tes sœurs devienne influenceuse plus tard? C'est vrai, je sais que. Ah, Tayra, c'est vrai. Trop. Tayra, tu veux. Mérite tout ce que Tayra a fait ou quoi? Elle bloque toute sa vie. Tout ce qu'elle fait des cartes, elle bloque tout dans son téléphone. Ouais, je te promets. Même j'étais chez Divi, genre l'ancienne Free. Même tu pouvais, il y avait des applications, tu peux jouer à Angry Birds, jouer. Moi je vois, elle installe le téléphone, elle commence à faire un film. Après genre je la tape, je la poussais. Elle me dit oh Nicia tu me pousses et tout, je vais mettre sur YouTube ou ma perso. Ah, je suis influenceuse, allez vous abonner à ma chaîne YouTube parce que j'ai pas d'abonnés. Non, elle me fout la honte, on a commencé déjà pour transférer la chaîne. Attends, elle a une chaîne YouTube? Oui. Elle met ses trucs de Roblox. Elle va vous la mettre ici. Non, je vais la mettre nulle part. Mais imagine, un jour, je rentre dans la chambre, je vois, elle fait un live. Je dis, comment ça tu fais un live? Je dis, je comprends que Chrétien me dit, mais je fais comme des rétines. Pourquoi tu veux être influenceuse? Explique-nous. Parce que genre, tu montes ta vie en fait. Mais t'aimes bien montrer ta vie. T'as un peu poupée, toi. Allez, grave. Ouais, du coup, bah, c'est intéressant de montrer ce que tu. Bah, toute ta vie, genre, ce que t'as vécu. Ce que, bah. Tu t'as vécu toi, j'ai rien vécu. Mais je vais pas ça, mais genre, je vais me dire, je sais pas. Montrer ses expériences de la vie. Ouais. Donc, faites-nous chacune une choré de danse. Eh ouais, c'est vrai. A-t-elle, déjà c'est une fille quand même, a-t-elle le droit d'avoir un copain maintenant? Donne la raison. Une non. Laquelle... encore une fois. T'as vu MDR. Ma belle. Et ici elle a actuellement 15 ans. Moi si je parle de mon expérience, j'ai pas comme ça à côté des... à parler hein, avec des garçons à 15 ans. Donc déjà non. Attends, hein, t'es en seconde. Qui a 15 ans? Ouais. Non. Pourquoi toi? Toi déjà t'as compris. Je passe à la question, je sais pas, elle est là. Donc est-ce qu'on laisserait le droit à Issa d'avoir Non. Bah non. Bah elle-même elle veut pas, du coup elle veut pas. Enfin quoi Je sais pas qu'est-ce que vous me laissez, même si vous me laissez. Genre je vais pas vous dire, genre vous êtes mes soeurs. Encore pire, tu t'allais dire parce qu'on est tes soeurs. T'es pas la génération 13 ans, 14 ans à avoir des copains et faire leur paille et tout, on est pas comme ça. Déjà je trouve ça très bien qu'elle dise ça, son âge, tu vois, elle est très naturelle. Elle est vraiment, tu vois, elle est dans son élément. J'ai grave confiance en elle. Moi, mais grave confiance en elle. Je remercie le bon Dieu parce que quand je vois les copines de son âge, à l'heure actuelle, c'est chaud, hein. Mais Reggie, des 17, on dirait. Mais moi quand même, je trouve que c'est un délire. Non, mais c'est vraiment un délire. Et ça, c'est totalement pas ça. Et je remercie le bon Dieu parce que. Les influencés, toi, leur mais de ouf! Est-ce que vous avez déjà volé? Bah oui. Toi, c'est pas bas, mais. Toi, t'as volé quoi, toi, de ouf! T'as volé quoi? Attends, moi, j'ai volé à toi, mais pas oh, plein de choses! Moi, j'ai déjà volé 5 euros à maman, maman m'a cramé, vous vous rappelez? J'étais beaucoup. Maman, elle voulait même donner l'argent pour aller à la fête foraine. Moi, je suis partie dans son sac, et maman, tu prends 1 centime, elle remarque que t'as pris 1 centime. Comparé à mon père. Moi, comme une bête, moi, j'ai pris 5 euros en pièces. Donc, elle a cramé. Moi j'ai fait un truc de ouf à Méridie, tu me rappelles trop. Genre j'ai parti d'un prendre mon émeraldique, j'ai pris 20 euros. Après j'ai caché son portefeuille derrière la machine à laver. Après je suis partie demander à Kétia si elle peut aller m'acheter une surprise. Après elle m'a dit avec quel argent tu peux que tu lui donnes les paillots. Il fait quoi? Après tu peux prendre. Parce que je savais que c'était le même émeraldique. Oui, parce que tu disais. Je Moi, ça me dit un truc. On a dit, Méri, on te voit trop dur avec tes sœurs. Le prends pas mal. Non, pas du tout. C'est la. Tu vas la voir. Peut-être, mais pas bon. Bah, en tout cas. Je suis pas dure. Hein. La plus dure avec moi, c'est Kétia. Non, en vrai, je trouve que c'est. Ah ouais, moi, je trouve. Non, moi, je trouve que c'est une qui a la plus dure avec moi. La moins dure, c'est. La plus dure. La moins dure, c'est Kétia. La plus dure, c'est Méri. La plus dure dans quoi? Et c'est de manière parce que je vois même pas. Je vous laisse faire votre vie. Hein. Moi, je trouve je vous que c'est la plus dure. Je vous fantasme cette petite âme de sœur protectrice. Donne un exemple.
parce que je ne vois pas de quoi tu parles. Moi, c'est plutôt un comportement aussi, genre. Toi, t'es plus, moi, je suis plus douce. Donc, moi, je suis brute. Non, mais. Mais je vous calcule même pas. Non, mais on peut se dire ça même extérieurement, on voit le comportement. Salut Kéké, ils ont dit Kéké. Salut Kéké. Habite seule à Lille, c'est pour les études, bisous à vous. Alors, comme il reste à l'agence de vidéo, je ne vis plus à Lille. T'as kiffé Lille? Franchement, ça manque parfois ma liberté. Comme si c'est pas libre. Ok, j'ai vraiment vécu un enfer. Mais ça me manque trop de sortir le soir, tranquille, rentrer à l'heure que je veux. Je sais pas, là, même Aïssa, ça me manque de fou. Genre, tu peux te vérifier? Non. Est-ce que vous auriez voulu un frère? Non. Ouais. Ah ouais? Un petit ou un grand? Après toi ou avant toi? Un grand. Après toi? Moi j'aurais pas voulu avant moi. MDR. Ah non, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait dans ma jeunesse, non. Après moi j'aurais voulu un grand frère entre Kétier et moi. Comme ça, ils sont frères. 2006 ou 2005. Un an ou deux ans de plus que moi. Ouais, j'aurais en mode de jumeaux, genre. Ouais. Ah non, moi j'aurais pas. En tout cas, peut-être pas un grand frère. C'était à la place de Téhéra? Non, pas la dernière, si, non. Le dernier. Pas. Tu vois, un garçon commençait à agiter, mais non, Taïra, agiter en garçon. Je pourrais pas. Non. C'est vrai, j'avais pas pensé à ce point-là. Du coup, Méré, en fait, moi j'ai besoin de vos conseils. En fait, j'ai une sœur et elle met tout le temps mes affaires. Entre sœurs, c'est normal de se prêter de temps en temps. Mais ma sœur, elle porte mes vêtements tous les jours et ça m'énerve. Est-ce que selon vous, c'est normal? Parce que j'ai l'impression d'être méchante si je ne lui laisse pas alors que ce sont mes habits et j'ai horreur de ça. Dites-moi s'il vous plaît qu'est-ce que je dois faire. Ah, je suis pas seule dans ce monde. Eh les gars, franchement, j'ai jamais vu une maison qui utilise autant mes affaires. Je peux poser mes affaires dans un coin A, je vais pas le retrouver dans le coin ni B ni A, je le retrouve dans un coin Z. Tout le monde prend mes affaires dans cette maison. Alors moi j'ai... Moi, c'est pour... Je crois pas forcément de mes amis, mes affaires sur ma brosse à cheveux, mes trucs, mes petits trucs que je laisse vous utiliser. Oui. Mes parfums. Vous rendez compte? Attends, je vais te dire ma belle. Comme je l'ai dit, tes parfums, fallait m'en acheter aussi. Je t'ai pas acheté une brume. Elle a pris les deux brumes. Alors que je vais acheter une. Je vais acheter une brume quand je partais aux États-Unis. Il y a une différence entre la brume et le parfum. Kika, et alors? Je m'en fous. Je te connais, mon arôme. Mais c'est à moi. Tu vas au Maroc, je t'achète au moins 10 parfums pour toi toute seule. Mais c'est à moi. Il met son petit parfum avec les écritures arabes. Allez, c'est chouette. Mercredi, t'as pris ton train à peu près avant moi. J'ai profité. J'ai mis tes dunks. Je l'ai bouqué. J'avais trop peur de te croiser à la gueule. Les noirs. Les noirs et blancs. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai pas snappé ce jour-là. Meredith, elle a tellement des baskets. Elle a trop de dapper à toi. Mais attends, ça te connaît pas. Comment t'as mis? Franchement, j'avais un gros pantalon large. Ça se met drôle, box. Le conseil que je te donnerai, c'est juste supporte en fait. T'as pas le choix. Bah, moi, c'est ta soeur. C'est pas comme si t'étais. Non, c'est, tu comprends pas. Quand c'est quelqu'un d'autre, ok. Mais là, c'est ta soeur. Oui, mais alors, mais moi, si elle aime pas qu'on vous partage ses affaires, c'est normal. Faut que vous aussi vous respectez son choix. Elle veut pas que vous partiez ses affaires, vous partez pas. La moindre des choses, c'est demander le mot. Voilà. Je demande. Il faut que ta soeur, elle apprenne à demander. Elle, même si on lui demande, elle aime pas. Et quand elle lui dit non, elle a l'impression d'être méchante. Bah, faut pas que tu te sortes mes autres, c'est tes affaires, tu les payes avec ton argent, personne te donne ton argent. Même si tu dis ouais, c'est mes soeurs, etc. Tu peux partager, mais il y a des trucs que tu dis que ok, je partage tout, mais ça j'ai pas envie. Et faut que tes soeurs elles comprennent, c'est totalement normal. Et quand je parle à la meuf là, je parle aussi à vous. Arrêtez d'utiliser mes affaires sans me demander. Je lui ai donné une brume Victoria's Secret. Ouais. Comment une autre brume se retrouve dans tes affaires? Mais j'ai pris ta sac de maman. Non, la champagne que j'ai donnée, mais c'était à Divine. Elle faisait quoi dans tes affaires? J'aime bien faire les mélanges. Moi quand j'aurai l'argent, je vais te laisser. Non, arrête, non, c'est pas que j'étais pauvre, quoi, j'étais pas pauvre, enlève cette phrase de ta bouche. Moi je te donne un truc, tu touches pas à mes affaires, c'est tout. C'est simple. Oui, ma soeur. Bon, on peut Je vais songer à arrêter de prendre tes trucs. Moi j'aime que les. À part que tu t'as acheté de la graille, je peux prendre. Ouais. Et ma graille, oh mon dieu, je peux. Bah toi aussi tu prends la graille. Non, vous finissez. Vous finissez ta poche, pas que tu donnes, tu l'as tout fini et t'as laissé la boîte comme ça. Il en restait un. Et pourquoi? Le pire, tu vois qu'il en reste un. Pourquoi tu prends? Il en restait deux. Il y a quelqu'un qui l'a pris et un. Pensez-vous avoir évolué par rapport à votre dernière vidéo ensemble? Moi, c'était vestimentaire parce que je mettais des gros pantalons skinny. C'était pas c'est vrai. Maman, elle a arrêté de me coiffer parce que c'était assez rempli, quoi. On a changé de manière.
De ma... Il m'augmente quoi? Elle a voulu prendre la briquette. Mindset, je quoi? Mindset. Vous vous admirez pour la honte. Les garçons, les autres dents. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des idées vidéo que vous voulez que je fasse avec mes soeurs, parce que je sais que vous les kiffez trop. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ok, j'ai une page Instagram. Ouais, comment ça fait? Mais moi, je partage un peu de choses en fait, parce que là, je suis plus famous. Kitchen sur Instagram, elle commence vraiment. J'essaie d'être active, mais c'est pas trop facile. En commentaire. Que la vidéo passera, je mettrai ma petite chaîne et tout comme ça, parce que j'ai que 63 abonnés. Ça. Bref, donc moi, on vous mettra mon TikTok. Mon Insta, je n'aime pas parce que je suis privée. Et Snap aussi, parce que j'aime pas faire trop de vie, c'est pour ça que je suis jamais dans ma story. Du coup, là, les filles, les cartes entre deux. On dit à la prochaine.